ça va être dur pour eux ce soir. Hein. Allez, comme toujours, dès le départ. Hein. Le match, c'est, les gars, le match, c'est 95-97. Ok. Avec les arrêts de jeu de la première à la deuxième. La transversale de Savagnier, ça part de l'autre côté vers Junior. Cette fois, il a le temps de bien assurer son contrôle de la poitrine. Un enchaînement à deux dans la profondeur pour la borde. La borde qui va rentrer dans la surface de réparation. La tête de Delors ! Le but d'Andy Delors ! Le but d'Andy Delors sur ce centre exceptionnel de Gaëtan Laborde. Une tête piquée au sol qui a surpris Mike Maignan. Ouverture du score du MHSC à Lille. But d'Andy Delors, c'est le 12e but de la saison. Bien. Bien. Deux, trois trucs. Jordan, tout le temps avec lui. Bien, continue à faire les efforts. Les seconds ballons, on les a. En fait, c'est des zones tous. Mais c'est ça. Des zones tous. Et à un moment donné, il n'y en a plus un qui est dans sa position de départ. Complètement. Là, il connaît, il m'emmène sur le côté. C'est André Soumaré qui plonge. Ilmaz, il joue qu'en déviation. Il faut tenir le résultat, les gars. Il faut en mettre un autre, surtout. Bonjour, Étienne. Bonjour. T'as vu, des fois, Benjamin André, il se met. T'as vu comment il joue? Il monte un cran plus haut quand le ballon est reposé. Comme la dernière, là. Il essaye de dévier dans la surface. Faire attention à lui. Prêt, parce que ça va partir fort. On le sait, il joue le titre. Les gars, ça va partir très fort. Il faut qu'on soit prêt, qu'on joue pareil. Qu'on fasse tourner le ballon, qu'on gagne nos duels et qu'on tue le match le plus rapidement possible. Les gars, 50 minutes. Si on fait ça, les gars, on le fait tous ensemble, il va nous faire du bien, celle-là. Celle-là, elle va nous faire du bien pour la suite. Allez, 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 allez. Lillois surtout, parce que nous, on fait bloc. Mami Didi maintenant, le centre au second poteau, Arroyo qui veut reprendre le volet. Oh, la frappe d'Arroyo! Non! Égalisation de Lille par Luis Arroyo! Il y a eu un match plein. Oui, c'était un beau match. Je pense que la première mi-temps était équilibrée. Et après, en deuxième mi-temps, on a subi leurs assauts et malheureusement, on craque à la fin. C'est dommage, mais... Pardon, mais venir chercher un point ici, c'est pas un mauvais point aussi. De craquer sur la fin, c'est jamais bon, évidemment. Non, c'est rageant parce qu'on avait quand même un bon bloc compact, même si on subissait des occasions, c'était pas non plus des occasions franches. Et là sur un centre d'encaisser ce but, c'est rageant. À la 85e, c'est rageant. Il nous restait pas trop de temps à tenir, c'est dommage. Montpellier est encore dans des objectifs européens en championnat? Bien sûr, je pense qu'on a, avec la Coupe, une fin de saison excitante. C'est ce qu'on se dit à chaque match. Donc à nous de ne pas la gâcher. Maintenant, on va se reposer et essayer d'aller chercher cette qualification mardi. Merci Jordan. Merci beaucoup.